Salut à tous, c'est Bryce Anka, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite, nouvel événement, nouvelle récompense gratuite du coup pour un événement qui s'est passé, un événement historique qui s'est passé IRL. Je vais tout vous montrer, les skins, comment le débloquer, pourquoi on a cet événement. J'espère qu'en tout cas la vidéo va vous plaire et vous intéresser. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite. Gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BYCE100K dans la boutique, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas les deux concours qui sont dans la description. Il y a 20 € à gagner sur Twitter et ce que vous voulez sur le site Instant Gaming. Soit un des derniers jeux qui vient de sortir, soit des cartes PSN, Xbox, Nintendo, c'est vous qui choisissez. Donc faites-vous plaisir. Et du coup, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc du coup, nouvel événement sur Fortnite par rapport à un événement historique qui s'est passé IRL à Washington, le 28 août 1963, la marche pour les droits civiques. Donc normalement, ces défis arriveront avant le 28 août. Donc petit rappel d'histoire rapide. Au cours des années 50 et 60, la contestation contre les politiques ségrégationnistes encore en vigueur dans plusieurs États américains devient de plus en plus active. De nombreuses manifestations non violentes sont organisées, dont une le 28 août 1963, qui attire environ 250 000 personnes dans la capitale du pays, Washington. Même si la majorité des participants sont des Afro-Américains, des gens de race blanche prennent également part à la marche, dont quelques dizaines de membres du Congrès, ainsi que des personnalités du monde artistique, Paul Newman, Marlon Brando, etc. Une des figures de pro du mouvement, le pasteur noir Martin Luther King Jr. prononce devant le monument Lincoln un vibrant discours, I have a dream, qui fera époque. Avec d'autres leaders noirs, il rencontre ensuite le président John F. Kennedy. Ce dernier décédera en novembre 1963, mais son successeur du coup, Lyndon B. Johnson, fera adopter en 1964 le Civil Rights Act, je sais pas si ça se prononce comme ça, rendant la ségrégation illégale. L'action de King, donc Martin Luther King, lui méritera le prix Nobel de la paix en 1964. Donc normalement, cet événement se passera en mode créatif. On aura une map que je vais vous montrer juste après, et on aura normalement deux monuments. Donc deux monuments qu'on peut retrouver à Washington, et la map du coup en créatif, je vous la mets juste ici. Donc du coup, vous avez le code, comme je vous l'ai dit, c'est pas encore disponible, je pense que l'annonce se fera demain ou après-demain, et ensuite, je vous mettrai dans une vidéo d'information, vous pourrez aller sur la map, faire les défis, et débloquer les récompenses. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le clip avec les récompenses. C'est un petit événement, du coup les récompenses sont pas non plus ouf, il y a un spray et il y a quand même une danse. Donc je vous mets le petit clip et on se retrouve juste après. Donc du coup, le spray et la danse, franchement la danse encore elle est pas mal, c'est un peu le même principe qu'on avait pour le, rappelez-vous quand on avait la bataille contre le robot de Polar Peak, on avait aussi cette pancarte. Là on retrouve les mains du coup de toutes les couleurs qui se touchent, qui sont soudées, et le mot Dream qui est juste en dessous. Et puis voilà du coup, on arrive à la fin de la vidéo, c'était rapide, mais je voulais vous informer du coup de cet événement et surtout des récompenses qu'on pourra débloquer. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite. N'oubliez pas aussi le lien de la chaîne Twitch dans la description. On lance des lives pratiquement allez, tous les deux jours. Là en ce moment, on fait pas mal de mode imposteur. J'avoue qu'en équipe, le mode c'est une dinguerie. Donc n'hésitez pas à venir follow pour avoir une notif dès qu'on lance le prochain stream. Puis je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.